sorti en Georgia, m'a pendé pour nous battre un bravo pour yo, coupe qui sorti Georgia. Et un coupe qui sorti Caroline du Nord. En pile sorti tout partout en Floride. Juste Maintenant, pour être Floride, la Pensacola, nous battons gros bravo pour vous. And that's probably someone I'm going to miss, but all of you made a great effort to be there. Let's really welcome you. We're happy to be that you are here with us this evening. Ce matin, notre frère Tony a évoqué le homecoming comme un temps important, un temps fort pour se remémorer les grands événements de la vie de l'Église. En fait, je pensais à cette question de mémoire. Et je pense à saint Augustin, qui dans son livre Confession, après avoir fait un survol de plusieurs grands thèmes, l'adolescence, la vie, etc., au 10e chapitre, il parle ainsi, il ouvre le chapitre ainsi. J'en arrive maintenant au vaste palais de la mémoire où se trouvent les trésors des images innombrables. Il parle du vaste palais de la mémoire où se trouvent des trésors des images innombrables. Ce que nous avons fait pendant tout le week-end, c'est essayer de déterrer ces trésors qui sont enfouis quelque part dans le temps. Et nous l'avons fait à merveille. Nous avons pu découvrir la beauté des relations que nous avons tissées dans le temps, les bons moments que nous avons passés ensemble, des choses essentielles pour notre vie. Donc ce soir, une fois de plus, nous allons penser à ces trésors. Nous allons essayer de déterrer ces trésors qui sont enfouis dans le vaste palais de notre mémoire. C'est un travail de mémoire que nous allons faire ce soir et qui nous servira longtemps, longtemps pour des années à venir. Okay, me and my sister, Valerie, everybody knows Valerie, we had our first gala a few years ago, I believe in 2012, and it was a little different from this, but it was similar because we started with our church. Our first event included a book, giving out book bags to some of the kids at the church for the New Year's, and we also raised money to help out the kids with their basketball court. We ended up donating a backboard and a ball for the boys who had wrote us a note saying that, you know, they would really appreciate it. And that's where our journey to give back to our community began. And it's so funny because now we are doing another gala, and it is for the church again. It rallied with the homecoming, and it just fell into place for us to just do exactly that. And it's like a dream come true. This whole weekend has been a blessing for us, and it just feels so much like home again, like back in the day. And that's why we created Impulse, because we wanted the kids, our children, the next generation, to experience the same things that our parents experienced, as you saw them on the stage this morning, singing in their choir, enjoying the fellowship, and then our generation, our youth, coming together to enjoy that as well. And I would love for the children, the next generation, to enjoy that, to see that, to be able to experience that kind of love, that kind of bond. And with that, we started doing Easter egg hunts and barbecues, and we do the vision board project in January. And we've been able to grow with other businesses like Pink Empress and new events that help us with the Easter events and everything. And we've raised money for, I mean, we started with our community, but it was only natural for us to spread our wings into Haiti. Although we haven't visited Haiti ourselves, we've been able to send our love. And one of the reasons I use that quote, it's because I'm so convinced
that when friendship is shaped by the love of God, it is something that's truly extraordinary. And it is a friendship that we've been cultivating in our church for 35 years. You should have seen the emotions Friday and Saturday when people met together. Because those people we are looking at this evening, we are ready to lay down our lives for them. We truly love one another. Isn't that so? Yes. And we want to continue that bond of love and friendship. So I'll go one more time before we call on the next artist. Friendship is being with the other in joy or in sorrow, even when we cannot increase the joy or decrease the sorrow. It is a unity of souls that brings nobility and sincerity to love. Friendship makes all of life shine brightly. Blessed are those who lay down their lives for their friends. Let's say amen to that. Amen. And with that, we're going to call a great friend. It says, it's about a father who's praying for his children, or praying for his children who are going to get married, or his children that are just born. It says, I pray they would be all right. And then in the chorus, it says that they would have a world where pain and suffering will be ended when they reach to heaven. And we'll remember that we are all God's children, reaching out to touch Jesus, reaching to the sky. So this is really a prayer of unity, a prayer that God will mend our hearts together. I pray we'll be all right. Devant l'Éternel, grand chanteur et grand danseur également. Il a beaucoup de talent, il a plusieurs cordes à son arc. Mais ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est qu'il a gardé sa ferveur, son zèle pour l'Évangile. Je ne vois plus le jeune Jonathan, mais quelqu'un de très mûr dans la foi et quelqu'un qui a une ferveur extraordinaire dans sa façon d'exprimer ce qu'il est en Dieu. Une fois de plus, applaudissons Jonathan Balzora. Il a un autre morceau spécial qui sera suivi de morceaux d'une autre grande dame de la chanson évangélique. Je vais vous parler de Nancy Calice. Écoutons tour à tour Jonathan Balzora qui sera suivi de Nancy Alexis Calix. Vos applaudissements, mesdames et messieurs.
On dit, dis-moi qui ça qui justifie que nous t'ai rencontré pendant week-end là et nous finir avec belle gala ce soir. Eh bien, ça qui fait que nous réunis pendant week-end ça, c'est parce que grand groupe t'es gagné dans 14e depuis année 80. Donc t'es gagné un groupe même qui séparé, nous connaît avec circonstance la vie, chaque monde aller au fond route, tout le monde changé au point train yo descend dans différentes stations, mais nous décider pour nous toutes rencontrer. Malgré nous descendre dans différentes stations dans la vie, mais nous pour nous rencontrer, pour nous coller ensemble. Parce que c'est comme ça que chrétien est, pour nous marier à corps de l'esprit. C'est ça qui fait que nous passons, nous décidons de rencontrer si c'est Nancy, tu as une idée ça pour nous rencontrer dans le week-end ça et puis pour nous faire coller